Saint-Honoré exactement 113, on est à l'envol 3-0 virage à gauche, direction Bagatelle 2010, config exactement 113. Dans les petites compagnies régionales, comme Exactair, qu'on appelle les compagnies de niveau 3, qui sont de plus petits gabarits, on a besoin, de, je vous dirais, de pilotes qui sont quand même assez polyvalents. Vous allez voir que je vous dis quand je parle de polyvalence tantôt. Donc, une journée typique chez Exactair, pour un pilote, comment ça va fonctionner, je vous explique ça. C'est pas compliqué. Normalement, premièrement, les pilotes vont arriver, que ça peut être des vols à 2-3 heures du matin jusqu'à minuit. C'est 24 heures sur 24. Quand on arrive ici, on a un ordinateur, un système de réservation. On a une dispatch, donc une répartitrice de vol, qui, elle, va s'occuper de nous donner un manifeste de vol. Dans le manifeste de vol, on va avoir les destinations, le nombre de passagers, les bagages, tout ce qu'il faut pour, comme information que nous autres, on a besoin pour préparer notre vol. Une fois qu'on a fait imprimer ça le matin, on va prendre notre feuille, on va aller dans la salle de planification. Et dans la salle de planification, on va donc, premièrement, on va aller chercher notre météo avec, sur Internet directement. Prochaine étape, ça serait donc d'aller vérifier l'avion. Lorsqu'on va vérifier la vérification, c'est une vérification intérieure et extérieure de l'avion, qu'on appelle donc le cockpit check, et ensuite de ça, le walk around. En quoi consiste le cockpit check? C'est on va vérifier l'avion en tant que tel, vérifier l'intérieur. De ça, on va aller vérifier dans le poste de pilotage directement, donc les instruments qu'on va avoir besoin d'utiliser pendant le vol, ainsi que tous les systèmes de l'avion. Si jamais tout est correct à l'intérieur, on va faire ensuite ce que j'ai appelé le walk around. Donc le walk around consiste à vérifier si tout l'avion, si tous les morceaux sont là, s'il n'y a rien de brisé à l'extérieur, parce que les ailerons, les volets, les ailes, vérifier le train d'atterrissage, les moteurs, la quantité d'essence. Une fois que ça s'est vérifié, donc l'avion est prêt à faire le vol, on va donc prendre l'avion directement avec, que ce soit les tracteurs ou qu'est-ce qu'on a pour sortir l'avion. On va sortir l'avion jusqu'au pompe à gaz, qui prend à peu près 5 minutes. On va faire le plein, une fois que tout ça est fait et tout est complété. Donc, les passagers arrivent environ 15 à 20 minutes avant l'heure de vol prévue et on part pour faire le vol après ça toute la journée. Faire sauter en parachute ou atterrir avec ton avion? Atterrir avec mon avion. Jamais vous allez me voir sauter en parachute. Pourquoi est-ce que l'aviation est le plus beau métier du monde? C'est dur à répondre. C'est parce que c'est une passion pour tout le monde. Puis en plus de ça, on est payé à faire cette passion-là.